Hola à tous! Hola! Et bon retour suite à célébrer. Oh putain, ça commence comme ça, bagarre et tout. Donc on peut rentrer là-dedans. Il y a des trucs là-dedans. On peut au moins casser ça, ok. C'est juste pour récupérer du stock. Du stock! Ouais, non, en fait, c'est la déception totale. C'est pas grave. Et du coup, c'était avant, c'est derrière nous. Il y a une route par là. Ah, mets-moi la vraie, hein. Ah, il y a moyen de rattraper. Non. Qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui? Burton? Qui est ce Burton? Oh, on va l'envoyer direct à l'hosto, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh! What are you looking at? Salut, Nothing. Nounou! Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on, I don't want to fight you. My Mais name's de toute Jim. façon, tu t'habilles pas comme ça aussi pour qu'on te voie? Je sais pas, tu te fais plaisir pour faire Sully. plaisir aux gens, pour que ça te fasse plaisir. I was at Bulworth once. I got kicked out. D'un Why? côté, je t'aurais pas Let's just regardé, say t'aurais Mr. dit, oh, Burton quoi, is a je suis dirty là, creep. donc. Seriously. I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You Burton, know, he Burton, goes c'est lequel jogging every déjà? day and Ah regularly non, oui, uses ok. porta-potties in the park. Yuck. C'est Yeah. celui qui m'accuse So if we d'avoir mis le attack him feu. in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Meet me in the park. Hein? Oh merde, j'ai un cours. Oh merde. Bon, j'ai pas de timing pour la carte. Vas-y, je vais essayer d'aller au bus, d'aller faire mon cours et de revenir. Ah, si j'y arrive, je suis chaud. Au pire, de toute façon, ils vont faire quoi? Faudra juste relancer la quête. Et puis à un moment, il faudra que je sauvegarde, parce que je tiens à rappeler qu'entre la livraison, le déplacement et tout, je n'ai pas sauvegardé depuis tout à l'heure, quoi. Même si... Putain, j'avoue, je suis un de ces fifous, ça fait une demi-heure que j'ai pas sauvegardé. Enfin, peut-être pas une demi-heure que j'ai pas sauvegardé, mais... Une demi-heure que j'ai pas planté, il faut pas tenter le diable. Ah! Ouais, je peux pas sauvegarder au milieu d'une mission. Ok, c'est la totale. Mais non, je veux pas être absent, abruti. Je veux y aller, justement. Attrape le bateau, abruti! Ouais, c'est bien, tu m'attrapes juste devant ma salle. T'es fier de toi? Oh, j'aurais pas aimé, en plus. Ouais, allez. De toute façon, je la réactiverai. Anglais! Anglais. Toc, toc, début, toc. On va faire comme la dernière fois, enlever tout de suite les limitations d'affichage d'écran. Voilà, 2 minutes au lieu de 15 secondes. Pour pouvoir bien lire en rotation. Et maintenant, faut retrouver la photo. Ah, c'est compliqué de tricher, voilà. Oh là là là, ça me dégoûte. Ce cours me dégoûte de plus en plus. Mais c'est pas grave, on va le faire, on va le faire. Vas-y. C'est parti. Alors déjà. Cirque. Je suis désolé, mais pour moi, en anglais, cirque, c'est circus. Allez, ça c'est fait. Cric, cric, c'est aussi du français. C'est pour ça que comment les gens auraient pu passer ça, c'est pas possible. Cuir. Bon, là, je saurais pas le dire en anglais, donc je valide. Ah, il y avait aussi cuir avec un E. En plus, il y a plusieurs cuirs, tu vois, tu es. Il y a le cuir et cuir. Voilà. Ok. Curie. Oh, Curie, ça doit être un peu dans toutes les langues, je sais pas, pour moi c'est un peu comme une marque. Curie, c'est bien ce que je pensais.
Cire cru. Alors. Cire. En fait, vous me le direz si à la fin vous voyez un mot en anglais, quoi. C'est ça le truc. C'est un cours d'anglais où il n'y a pas d'anglais. Un cru avec un E et cure aussi. Oh putain. En plus, vous voyez les différences. C'est n'importe quoi. Un cure avec un E. Oh, j'ai déjà mis merde. On oublie. Hein. Cru. Cru avec un E, excusez-moi. Et cru. Alors là, je. Après, c'est peut-être des termes hein, qui servaient dans les années 50. Hein. Reçu. Copisat, copisat. Cri. Hein? Écu, Iréké. Écu. Iré. On est vraiment à un degré d'interprétation là. Kiriru. Alors. Ki. Ri. Avec un ORU. Et du coup, il m'en manque un. Il m'en manque même deux. Qu'est-ce que j'ai pas tapé? Cric, je l'ai fait. Cric, moi, je l'ai fait. Ah, même eux, ils savent pas ce qui manque. Bon. Ne pas réfléchir. Ce qui est fait est fait. Ce qui est mort ne peut mourir. Ah, ça peut être rigolo. Bah, tu veux que je le fasse tout de suite? Ok. Hein? Je me suis juste perdu ici. What? Ok. Ah, et la vengeance contre Barton est toujours là. Parfait! Allez, encore trois cours et l'année est finie. Enfin, l'année scolaire, hein, pas le jeu. Ta 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 ta. Mais c'est con qu'on puisse pas prendre le bus pour aller dans des endroits particuliers, ça. Parce qu'il n'y a vraiment pas un chemin plus court pour aller de là à là. Faut que je fasse un sacré carré, hein. Eh ben c'est tant pis, on va faire le carré, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, il faut. Pas encore, qu'est-ce que tu veux? Hein? Moi, oui que j'accepte. Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'hôtel? Hein? Toi et ta pute, c'est ça, Slot, c'est pute, qu'est-ce qui. D'ailleurs, j'espère qu'il est pas loin ton hôtel. Hein. Oh là là, c'est de l'autre côté. Oh merde. Je suis pas sûr qu'on puisse couper par là, à mon avis, il vaut mieux prendre la route. Ah! T'es mignonne, mais t'es chiante, hein. En plus, j'en ai connu des filles comme ça. Bon, après, je suis pas sorti avec juste copine et tout, hein. Mais parfois, des gens en mode.
je veux bien sortir, mais si tu viens me chercher, nanani, nanana. Et des fois, t'as envie de dire oui, ok, mais le truc. Alors, toi, ok, on va même pas chercher à comprendre. Là, tu me suis, Chrissy? Oh, mais. Il me faut des pétards, là. Aïe, aïe, hop, hop. Je me suicide avec vous, limite, les gars. Merci, voilà. Eh, donne-moi la main, bébé. Mais du coup, effectivement, parfois, t'as envie de dire, mais. Putain, limite, je t'invite à venir me voir, à sortir et tout, t'es à même pas 500 mètres, et tu vas me faire un gabrus, oh, si tu m'accompagnes pas, si tu viens pas me chercher, je viens pas. Moi, je suis désolé, mais parfois, ça m'est arrivé, bah vas-y, t'as qu'à te faire chier chez toi, hein, toute seule, je suis à 500 mètres, si t'as envie de t'amuser, tu parcours les 500 mètres. Oh, désolé, chérie, mais tu vas arrêter ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oui, allons-y. Y a des gens parfois, t'as l'impression c'est vraiment se laisser désirer ou se faire remarquer. Après, je veux pas mentir, je passais des bonnes soirées avec elle. Mais à un moment, j'ai envie de dire c'est bon parce que ce qui me dégoûtait en plus, c'est que cette personne, elle vivait. Enfin, je la reverrai certainement encore hein, quand on réouvrira ça tout aussi. Mais à un moment, je lui disais, t'as littéralement aller au maximum 500 mètres à pied pour le faire, mais avec toutes les rues en sens unique, tous les feux rouges et tout. Donc en gros, tes 500 mètres, tu peux les faire en 5 minutes à pied, ou je peux les faire en 10 minutes en voiture, quoi. Parce que bien sûr, il va falloir que je fasse le tour, que je me prenne 3 ou 4 feux rouges. À partir de. Merde, 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 reviens, reviens, ouais. Il faudra encore que. Non, allez, je m'en fous, non. Les tags, c'est gentil, mais on s'en bat tous les couilles. Et en plus, tu vois, se donner rendez-vous, donc finalement, je vais devoir lui dire quand je suis là, je vais devoir l'attendre, ou c'est elle qui va devoir m'attendre en bas, nanani, nanana. À un moment, merde, je sais pas, bouge-toi le cul ou assume, merde. Je veux bien être gentil un moment, mais je suis pas non plus le con de service, quoi. Et puis, c'est con aussi à dire, mais je pars d'un principe simple, c'est que si quelqu'un a envie de me voir, il vient me voir, c'est tout. Si t'as pas envie de me voir, bah reste chez toi et. La merde, je suis obligé de faire les quêtes rouges. Bon, bah, je vais retourner à Bulsoir. On va faire la nuit, on verra bien. On n'est pas pressé. Merde, j'ai l'impression de ne pas avoir fait de quête aujourd'hui. Donc, elle s'est pas réactivée. Ok, bon, bah, Y, vas-y. On retentera demain, les gamins. Après, c'est vrai qu'on a tous nos problèmes, nos défauts, nanani. Moi, je sais que par exemple, le mien, c'est que j'appelle pas les gens. Voilà, je suis pas du genre à prendre des nouvelles et tout. Enfin, si, prendre des nouvelles quand je croise des potes en commun, je demande comment ça va et tout. Je suis du genre à beaucoup sortir, nanani. Donc, espérer croiser mes potes à droite, à gauche. Mais honnêtement. Je suis un peu en mode. Bah, si tu m'appelles pas, je vais pas t'appeler non plus. Mais à l'inverse, je crois pas qu'il y a une seule personne qui m'ait déjà appelé et que j'ai dit non, j'ai pas envie de te voir ou quoi que ce soit. Par exemple, j'ai vu y a un pote que j'avais pas vu depuis quelques années parce que voilà, il était avec sa meuf était. Pas qu'elle m'aimait pas, mais elle était un peu, on va dire, chiante apparemment. Et du coup, c'était compliqué pour le voir, donc moi, voilà, ils vivaient leur vie et tout. Finalement, ils sont plus ensemble, nanani, le mec il s'est acheté un appart, tout va bien, nanani, nanana. Mais ça faisait quoi? Allez, facilement, 1 an et demi que je l'avais pas vu, le gars il m'a appelé, il m'a dit, bah tiens, j'ai mon appart, tu veux passer? On s'est même pas posé la question, bah vas-y, file-moi ton adresse, j'arrive, voilà, y a pas de quand, qui, quoi. C'est. Non, bah vas-y, si on en parle, tu veux que je vienne, je viens.
Je m'arrête vite fait dans un magasin, je prends des pizzas, un peu d'alcool et c'est parti. Il n'y a pas de « Ah, on va voir des projets, nanani, nanana ». Je suis vraiment beaucoup sur la spontanéité et le direct. C'est gris ou c'est parce que c'est bien beau, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais... Ouais, c'est cloche grise. Je vais vérifier quand même au cas où que je sois pas fou. Et puis je suis très aussi sur le moment. C'est-à-dire des gens qui vont m'inviter, nanana... Ouais, ça te dit pas, on se voit tel jour, telle heure, nanana, nanana. À chaque fois, ma réponse est la même, que ce soit avec les mecs avec qui je travaille ou avec mes potes. En général, c'est bah tiens, j'ai rien de prévu ce jour-là, mais tu m'envoies un SMS, tu m'appelles la veille. Tu pars du principe que je suis là, y a pas de souci, tu m'envoies un SMS, tu m'appelles la veille. Parce que Dieu sait le nombre de fois où je suis sûr que vous l'avez connu aussi. Ce serait marrant d'aller dans tel pays, ou d'aller se faire tel parc d'attractions et tout. Vas-y, on s'organise ça dans deux semaines. Il n'y a plus la date approche. Ah oh, bah moi je peux pas. Faut que je fasse ça. Ou anana, finalement il y a tel truc à faire. Je me suis déjà retrouvé dans des pseudo-voyages où allez, on était censé être 5 ou 6 à partir. Et à la dernière minute, tout le monde... Ah bah je peux pas, bah si lui vient pas, je viens pas. Ah bah ça, bah on est plus que ça, bah tant pis on sera ça. Bah maman, niquez vos mères. Hein. Ah moi je sais que j'ai déjà fait des parcs d'attractions parce que de temps en temps je me disais tiens j'ai bien envie d'aller dans tel parc et tout. Je proposais aux potes, ils étaient tout chauds et tout. À la fin je voyais que les mecs ils galéraient. Non, c'est tout, on déplace pas. Moi j'y vais tout seul dans mon parc d'attractions. Je vais m'éclater, à un moment y a pas de soucis. On va arrêter les conneries quoi, si c'est pour à chaque fois reporter 2 mois. Oh, je sais pas, bah ferme ta gueule, sors pas. Voilà, moi je suis comme ça. En plus, c'est un truc qui m'arrive quasiment tous les étés. Enfin, je veux dire, pas de me prendre un faux plan, hein, mais tous les étés, j'ai envie de me faire un parc aquatique à un moment. Il y a une canicule qui arrive, j'en ai aucune envie actuellement. À un moment, il va y avoir une putain de canicule et je vais me dire, putain, il me faut un parc aquatique. Oui, en fait, on sait déjà ce que tu veux. On est bien sûr... non, on n'est pas sur le bon côté. Ah, en fait, je suis chez les bouseux aussi. Ah merde alors, ça roule pas chez vous? Bah. Ah, on va prendre un vélo si ça roule pas, héros. Oh voilà. Il y a des trucs comme ça. C'est selon les gens. C'est comme avec les femmes, moi il y a un truc qui m'énerve chez une femme, c'est quand tu lui proposes un truc du genre bah tu veux faire quoi ce soir, un bowling ou un cinéma? Oh je sais pas, bowling, ah, puis dans le cinéma et puis on va voir quoi. C'est le genre de truc moi au bout de 10 minutes, soit elle, c'est simple, soit elle a envie, et ça lui fait plaisir et ça me fera plaisir et tout, et on va se motiver nanani, et c'est parti, limite dans les 5 minutes on est dans la voiture. Mais si tu commences à me faire chier pendant un quart d'heure, c'est en mode « Eh ben, on va rester à la maison, moi je vais me regarder un film sur internet, je vais sortir, je vais me boire un verre et merde !» Faut arrêter de vivre selon les autres. Je crois que c'est un des secrets du bonheur. Ok, c'était juste pour récupérer. Ok, c'est vraiment paumé de chez paumé, il y a des trucs au sol, ok. Du coup mon vélo, ça va, on me l'a pas piqué. Mais tous ces gens-là, je me dis, parfois ils doivent passer à côté de plein de bons moments. Parce que non seulement c'est des trucs que tu rates un peu à la Big Flo et Oli, comme on dit, assez dommage, elle aurait dû y aller. Un peu en principe, parfois, bah, t'as qu'une chance et tu rates ta chance, mais...
Non seulement parfois tu rates ta chance, mais avoir fait chier les autres, ben c'est un truc qu'on te proposera plus, tu vois. Ça doit être en haut du parc, là, la nuit, là. Bah, j'avoue, là, je te suis un peu rentré dedans comme un salaud. On va rester comme ça parce que je présume qu'autant prendre le saut pour repartir. Pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas découper quoi dans les chiottes? Ah, en gros, je vais foutre quoi? Je vais foutre des boules puantes. Ah bah, j'ai plus de vélo. Voilà, j'ai plus de vélo apparemment. C'est pas grave. Tous dans le parc, on est bien d'accord. Tous dans le parc, c'est bien. Hop 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 hop, j'ai pas un lance-patate, si je peux pas viser avec ça. Faut que je les fasse à la main. Ouais, non, faut peut-être que je fasse à la main, ok. Oh, bah c'est vrai que c'est con à dire, mais rien que si la porte ça marche pas. Ok, le gars il est là, il m'a vu, on s'en balance. Ah bon, là, il faut quand même faire vite, allez, et la dernière, elle est là-bas. Nickel, pas loin. Ça c'est fait, gamin. C'est moi ou il y a un chien au sol, là? Tu me veux, toi, Rio? J'adore les animaux, mais à un moment, tu vas te calmer, hein. C'est quoi, ce nain? Ok, il faut juste les détruire, ok. Qu'est-ce qu'on ferait pas par vengeance? J'avoue, la petite mise en scène toute pourrie. Et du coup, qu'est-ce que tu as? À moins que tu veuilles lui couper le sgeg, tu peux le faire tomber? Ah, ça serait rigolo. Oh, ça c'est joli. Bon, très dangereux ça. Très dangereux quand même. Oh, dégueulasse. Ben, tout de suite maintenant, quand je vois des toilettes comme ça qui se renversent, forcément on pense à Jackass. C'est tellement dégueulasse. Rien que se dire avoir l'idée quand même de se foutre, faire un saut élastique dans une cabane de toilette. Du coup, j'ai un doute, je sais plus s'il était fixé sur le chiotte, le mec. Ah merde. Ah ouais, après s'il donne la bombe, allez, pourquoi pas. Mais vous me faites chier avec vos quêtes de tag. Est-ce que j'ai des envies de tag, moi? Quête... moi, je suis où, déjà? Moi, je suis... Ok, c'est pas loin. Alors, soit je peux faire... Voilà. Soit je peux les faire les trois sur la route. Soit... Nique Mouk. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, le Dieus. Oh, il m'a pas vu, ça va. Tag ici, mais police ici aussi. Oh, bah. Comme par hasard, tu vas t'arrêter là, pile poil ou. Eh. Pas possible. Faudra le faire exprès que tu arriverais pas. Ah, deux. Non, ne regarde pas ce vélo comme s'il était disponible. Mais si, ah non, elle a pas encore disparu, j'allais dire. Y a pas moyen de faire un tag dans les environs? Ah merde alors.
J'ai moins. Ah voilà. Il me regardait pas, on était. Oh là là, il me regardait alors que j'avais même pas commencé, monsieur. C'est pas parce que je regarde un mur que tout de suite. C'est pas malheureux. Ah voilà. Non, j'espère qu'ils vont pas me demander une tenue en particulier. Par contre, allons peut-être sauvegarder quand même, ça fait. Oh bah. Bon, apparemment, je peux pas. Bon, bah. Je pensais qu'il y avait un bouclier ici. Oh, here he is, Mr. Big. Yeah. Mais. It was you, creep. Putain, mais encore. Don't play innocent with us. Mais les gens. He gave me a good thrashing, and I've got half a mind to give you one. Déjà, t'as pas les moyens de me donner la clé. Et alors, qu'est-ce qui fait croire que c'est moi? Et alors? J'en sais rien. Quelqu'un d'autre? Abruti. En fait, ça va tourner en vrai Battle Royale, en fait, ce truc. D'ailleurs, regardez les films Battle Royale, surtout le premier. Sauf si vous êtes... on va dire si vous avez plus de 14 ans. Hein. Comme ça, je me sentirais pas responsable. Je dirais pas qu'il y a besoin d'être majeur pour voir ce film, mais... Il y a quand même de la violence et un peu de gore. Donc, si vous regardez ça à 8 ans et que vous faites des cauchemars derrière, n'ayez pas chialé dans mes oreilles. À partir du moment où je vous ai prévenu, c'est votre responsabilité. Simple, c'est efficace. Plaît-il, n'est-il pas? Elle est à la planque des blousons noirs. C'est sur quelle rive? Ok, c'est sous le pont, on va sous le pont. Ouais, je peux passer par là. J'avais un doute. Ça! T'es en danseuse! Bouge ton boule! Oh, your body check! C'est moi que bla. En fait, c'est quoi leur zone? C'est carrément le skatepark là? Je sais pas quoi, non, même pas, c'est où? Olé! Ah, c'est ici? Ils se font pas chier les blousons noirs! Cassez! C'est honteux, c'est honteux! Après, c'est peut-être plus ou moins l'ancêtre des Vélis, là. Encore bagarre? Bon, ben, on m'a volé mon vélo. Oh, merde, j'ai pas fait attention au temps, du coup. Merde, on est déjà à ça? Ah! Bon, bah, après la quête, on arrête, les amis. On va juste finir. Et du coup, je dois aller loin. Ok. Tous sur son vélo! Et mon vélo! Après, je dis Vélib ou Vélil, ça tombe à Paris, ça s'appelle V-Paris. Hein, les polygos! Cette minorité que la France, tout le monde déteste. Hein? Plus haut que son cul. Quand on imagine un Parisien, nous, en province, c'est comme dans South Park. Vous voyez, les mecs, dans South Park, où ils achètent toutes des voitures hybrides, qui sentent leur propre paix. Qui pètent et qui sont... Ah! Un paix de bobo! Ah, dans les caisses, c'est pour une photo. Photo. Ah. Faut te sanctionner, toi, gamin.
Bon, ça va, on voit quand même leur zone de vue. Wow, ok. On se la joue, c'est cool. Tout ce que tu mérites. Ta mère, du coup, ils sont où? C'est en haut? Ah, ça doit être en haut. Autant pour moi. Et c'est à cette hauteur-là, ok. Hop. Gros dégueulasse. En plus, c'est quitté. Je sais pas, moi, honnêtement, je voudrais faire ça. Je pourrais le faire. Mais je pense que j'irai au moins... J'irai au moins... Merde. Allez, lève-toi, bordel. Prendre des rats, j'en sais rien, à Milan, là, ou des conneries comme ça. Ok, j'ai raté, j'en sais rien. Hop. C'est quoi leur histoire de trophée? Moi, je vous suis. Hein. Allez, vous me voyez pas, mais moi, je vous suis. En fait, je dois faire quoi? Aller jusqu'au pied, ouais, ouais. Et à la base, ils doivent me voir, ils doivent pas me voir, j'en sais rien, on fait une course. J'en sais rien, allez, hop. Bonjour. Ma place est ici. Ouais, je me disais bien qu'il faudrait passer par un truc. Oh, 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 oh. Ah oui. Pareil, ça, tu vois, par exemple, les trophées, c'est peut-être un truc que j'aurais essayé de revendre. Je les aurais probablement pas cramés comme ça, hein. Ah, mais les honneurs, ils chargent vraiment la merde. Hein. Et donc ça, c'est le gang de l'autre taré, c'est ça qu'on va apprendre. On va retourner celle de boxe, ok, ok, ok. Ouais, du coup, faut que je retrouve la route, P.O. T'es le bouseux. Le zonard, toi t'es le pecno, c'est ça? Du coup, faut que je me retape tout autour là pour me barrer, c'est quoi ce délire? Là, y'a pas moyen d'ouvrir. Ah. Bon, allez, toi c'est bon. On va te savater comme une merde. Hein, t'as cherché un... ah ouais, ok, hop, hop. En plus, ça se fait à plusieurs, on va y aller au pétard aussi. Toc, toc, allez hop. Ah, ça pique, hein. Putain, j'ai tiré à la main, petite catin. Oh, mais oh. Donc, du coup, on active ça. Allez. Un gueudin. Et du coup la route droite. Sacré outil de chantier qu'ils ont. On pourrait presque se lancer dans Mad Max. Et on est d'accord que c'est la bonne route. Okay. On aurait dit les Beatles, comme ils suivaient et tout. C'est vrai que je fais partie de cette génération, même si aujourd'hui il reste plus grand chose, qui aura connu les Beatles, Michael Jackson et tout. Je me demande comment les nouveaux jeunes, je vais pas dire les millennials parce que ils auront encore plus ou moins les fêtes de vieux où ils vont entendre ça, tout ça. Mais ce genre de musique, qui c'est qui va les faire écouter aux jeunes après? C'est vrai qu'on a tellement de bons artistes en ce moment, hein. Quand je pense que Booba est accueilli comme une star sur des plateaux télé, mais bordel. Joey Star a été une icône, mais nique ta mère. Y a pas d'autre mot. Et y a une époque où... Ah ouais, enfin...
Avant mon époque, c'était du genre, tu faisais une balade, un peu d'amour, un peu mielleux, et tu faisais un tube français. Maintenant, aujourd'hui, faut faire du Aya Nakamura. Moi, je suis pas une michto, je suis pas de bite, ta mère c'est une salope, et je t'encule, nanana. C'est moi qui ai les plus grosses couilles et la plus belle, les plus beaux boobs, enfin. C'est... voilà la musique aujourd'hui, hein. D'ailleurs, il y a un truc qui me faisait marrer à un moment dans le rap. Si tu plaçais pas un truc du genre le mot mère, le mot drogue, le mot bagarre, c'était en mode mais c'est pas du rap. Non, oh, ne décrochez pas, je sais pas qui vous êtes, j'aime pas ce genre de numéro, donc allez vous faire foutre. Je vais pas te rappeler, tu laisses un message ou tu vas te faire enculer, merci. Who took our trophies? Don't tell me. It was the Tooth Fairy. Yeah, either it was the Tooth Fairy or the Greaseballs. I wonder which one. Actually, trust fund babies. It was neither. It was those towns. Tu vois, t'as pas de cerveau pour imaginer tes ennemis. Them? Why would they steal our trophies? Don't talk crap, Hopkins. Mais I'm va not. Voir, il y a la photo et tout. Mais oui, why? Mais ta mère. Oh. Yeah, poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks, don't they? Listen, you overfortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listen to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of the school to his Biff. Pathetic little Putain. Fantasies. You are an idiot, Hopkins. Allez voir les retours vers le futur, bien sûr. Ça aussi, c'est le genre de film. Don't you? Encore cela, il passe encore à la télé. Mais il y a plein de vieux films, les Jim Carrey, les Ace Ventura et tout. Est-ce que ça sera encore diffusé? Bon, on peut au moins voir ça comme point positif pour les futurs gosses, nanani nanana. C'est vrai qu'avec la technologie, les périodes qui sont passées, tout ça, ils devraient avoir quand même avoir accès à, on va dire, une base de données musicale, cinématographique, série, tout ça, assez impressionnante. Parce qu'il faut dire ce qui est, on faisait un peu avec ce qu'on a aussi. Je viens de lever les yeux, je viens de tomber. C'est souvent TPMP, je vous le cache pas, nanani nanana. Et parce que au moins il y a un bandeau en bas qui explique de quoi il parle, voir si c'est intéressant ou pas. Là, ils refont le débat. Un clown peut-il être président? Ben, c'est pas déjà le cas. Ça fait pas déjà une vingtaine d'années qu'on se tape des putains de clowns et encore des clowns même pas drôles, des clowns de base. C'est con à dire, mais je suis sûr, il y a un mec qui se présenterait au présidentiel qui dirait juste « Je ne vous fais aucune promesse. » Ça suffira. Et ben, moi, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Des bisous, bonne continuation, plein de bonnes choses. Allez, ciao.